In the context of the national fertilizer reform initiated in 2018, the government of Niger implemented the Fertilizer Sector Reform Support Project, the PARSON. It is funded by the Millennium Challenge Account Niger and implemented by the International Fertilizer Development Center. The main purpose of this reform is to facilitate the access to quality inputs to thousands of smallholder farmers throughout the country. In 2019, Edenred, the world leader in payment solutions, was selected to conceive and set up a digital payment ecosystem within the subsidy program. All stakeholders, including in remote and offline environments, are now benefiting from a transparent, user-friendly, and traceable payment solution. Fertilizers are thus distributed to all targeted farmers at the right time and at the right price. Le système Ivocha permet de toucher les vrais bénéficiaires de la subvention des engrais. Ça permet aussi d'amener des engrais de qualité aux bénéficiaires. Et ça permet aussi d'éviter la déperdition des moyens. L'objectif, c'est booster la production et la productivité agricole. Le système Ivocha permet d'acquérir les engrais auprès des distributeurs qui sont au préalable identifiés, agréés et qui vont fournir des engrais de qualité. Parce que vraiment, ça permet d'aller vers une subvention intelligente pour que ça aussi, ça crée la richesse et qu'on sorte vraiment de l'agriculture de subsistance. The PARSON pilot project was implemented according to a step-by-step methodology, including the definition of the strategy, the enrollment of farmers, the training of financial institutions, the equipment of agro dealers, transactions, as well as a strong reporting and monitoring. Le rôle de NITA dans le cadre du programme, le recensement des bénéficiaires, la distribution des e-vouchers, la réception de la partie non subventionnée et l'activation des cartes leur permettant d'aller récupérer les sacs d'engrais chez les distributeurs. NITA est un établissement financier à caractère bancaire avec comme activité principale les transferts d'argent. L'ENRED nous a formés à former les agents dédiés à l'utilisation des tablettes et sur l'opération de contrôle d'identité des bénéficiaires sur la base des cartes professionnelles. L'ENRED nous a fourni les tablettes et les cartes. Donc sur les tablettes, une application est installée et c'est cette application qui nous a permis de gérer toute l'opération. Il faudrait qu'il y ait un programme traçable, donc transparent au niveau du pays. Et dans le temps, la subvention des engrais se fait à travers l'offre. Et maintenant, dans le cadre de ce nouveau système, c'est vraiment à travers la demande qu'il faut faire cette subvention. Les avantages pour l'État, c'est d'avoir une certaine maîtrise de la subvention et de pouvoir maintenant avoir la traçabilité et la transparence dans le système. Cette traçabilité et la transparence permettent à l'État d'avoir un contrôle sur toute la subvention, d'avoir bénéficié d'une subvention directe vraiment qui leur sera donné main à main, parce que dans le temps, avec la subvention de l'offre, tout celui qui part acheter de l'engrais va bénéficier de la subvention, alors que véritablement, deux fois, ce n'est pas les véritables bénéficiaires qui sont vraiment détenteurs de cette subvention. Cikin aka duka kawai takin naza a baka take aiki da banka ba a samu matsala ba kace ka ba da kudi kai baka samu taki ba to da ka ba da kudi ka samu taki ka biya bukatarka sai amma harin sai ka ta wahala ka minka kai gare shi amma yanzu gaskiya lahiya lumi da ka ba da kudi ga taki ka sai ka biya bukatarka hankali kwance eh kuma akwai sauki Endred ami à notre disposition un équipement mobile cet appareil est maniable et très facile à manipuler et avec ça on scanne le bon que l'agriculteur nous présente. Donc automatiquement, il y a une page où on lui achète et on lui livre un reçu. After 6 months of experimenting this traceable payment ecosystem, 8,000 farmers with a majority of women have benefited from affordable fertilizers close to their location. They have been able to boost their productivity of strategic crops such as potatoes, onions, and maize. Compte tenu des résultats qui ont été atteints par rapport à ce pilote-là, vont vraiment nous permettre de transposer ce pilote sur l'ensemble du territoire. Et nous lançons d'ailleurs un appel à tous nos partenaires vraiment de converger vers ce système de subvention intelligente.